viens de me lever et je vais prendre le classement de 14 heures pour savoir où j'en suis. Et je surveille avec attention la zone des glaces qui n'est plus très loin de nous maintenant. Je suis à 14 000 de la zone des glaces. Donc j'essaye de venir lui lécher les babines sans jamais rentrer dedans si possible. Il y a un joli petit match, écoute, c'est sympa. J'espère qu'à un moment donné, on pourra être en portée à IS ou VHF pour qu'on puisse discuter. Ce qui est surtout important, c'est qu'on revienne bien sur les deux de devant, là, et on va attendre de voir jusqu'où on arrive à revenir dessus, mais ce serait bien qu'on soit pas trop loin au Cap Horn pour qu'il y ait de nouveau un match pour la marche numéro 3 jusqu'à l'arrivée, ce serait bien. Après, c'est vrai que c'est pas évident de faire un tour complet du bateau dans les conditions qu'on a, parce que mine de rien, bah là, on a quand même encore 25-30 nœuds à 90 degrés du vent. C'est pas trop le moment non plus d'aller à l'étrave voir ce qui se passe. Mais globalement, ça a l'air d'aller. Il y a pas trop de soucis, non, ça va. Il y a l'air d'avoir des choix à faire dans quelques temps là. Après, ce qui m'importe, c'est qu'on n'est pas on n'est pas 60 nœuds à gérer encore une fois, quoi. Surtout ça, moi, qui me pèse maintenant, parce que ça fait déjà deux fois que j'ai ce genre de situation à gérer. Après, bah voilà, c'est du petit temps, c'est les transitions, pourquoi pas, quoi. Mais voilà, pas 60 nœuds encore comme la dernière fois, là, ce serait le coup de trop, quoi. Oh, j'aimerais bien serrer mes enfants dans mes bras, comme d'hab, quoi, à Noël, quand on se fait les cadeaux, quand le Père Noël passe, hein, parce que moi j'ai encore une petite à 5 ans, donc le Père Noël doit passer. Ouais, ça, tout simplement. Ouais, être en famille, mais bon, ça sera pour l'an prochain.